félicite le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et je félicite bien évidemment tous les participants, aussi bien les représentants des partis politiques que de la société civile. Je crois que c'est un pas important. On ne peut pas tout régler en un seul jour, mais le fait qu'il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives dans le courant du mois de mars. D'ailleurs, nous allons pouvoir fixer la date aujourd'hui avec les propositions qui nous ont été faites par la Commission électorale indépendante. Ceci est un élément très important d'avoir des élections inclusives. Et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur accord, leur souhait de participer à ces élections, qui nous permettra de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d'absence de certains partis politiques. Et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisement puissent être prises, mais dans le cadre de la loi, bien évidemment. Le Premier ministre et le ministre de la Justice ont déjà fait des propositions. Ceci étant, bien sûr, c'est des dossiers qui sont entre les mains de la justice. Et nous, je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d'apaisement et de reprise du dialogue après les élections législatives. Le président Bédié et moi-même nous sommes parlé à plusieurs occasions de ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ceci permettra d'évoquer un certain nombre de points en suspens et de montrer à nos concitoyens que nous sommes sur la voie de la consolidation de la paix pour notre pays. Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés, avec la paix, nous irons encore plus vite. Donc, Monsieur le Premier ministre, toutes mes félicitations et je félicite le gouvernement et je vous encourage à continuer. Le social, au cœur des actions du président de la République, Alassane Ouattara, en cette année 2020, pour ses fêtes de fin d'année. Il vient de faire un don des kits alimentaires d'une valeur de 750 millions de francs CFA. Des vivres destinés aux personnes vulnérables et démunies. Ce don est distribué par le ministre-gouverneur Robert Beugremambé aux populations du district d'Abidjan. Le président nous envoie vers les couches les plus défavorisées. Il exprime ainsi sa volonté de nous voir agir selon ses instructions. Et depuis 2011, les chefs traditionnels, les chefs religieux, et tous ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler nous accompagnent et nous aident à réaliser ces rêves. Ils soutiennent l'action du chef de l'État par la prière, par le dialogue, par la présence continue auprès des uns des autres. Tout ce qui peut contribuer à amener dans le cœur des Ivoiriens la paix. Les bénéficiaires saluent le geste et le sens d'humanisme du chef de l'État. Je voudrais dire au gouverneur, à notre nom à tous, merci une fois de plus pour cette invitation, de partage, de générosité. Nous vous demandons, nous vous prions de traduire, d'être notre interprète auprès du président de la République pour tout ce qui s'est fait dans vos villages. Sachez que nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir, monsieur le gouverneur. Toutes les religions sont d'accord que quand vous faites du bien tel que Dieu l'a voulu, vous êtes béni. Ce remerciement qu'il nous revient de faire à l'intention de monsieur le gouverneur de tout le district et à travers eux à son excellence monsieur le président de la République. Le ministre gouverneur Robert Mambé
qui a opté cette année pour des illuminations et des feux d'artifice sobres, tout en mettant un accent particulier sur le social, va poursuivre la distribution du don du président de la République dans tous les districts d'Abidjan.